Eh bien salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas pour ma part ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et enfin pour une nouvelle découverte de map Minecraft. Donc je rappelle vite fait le principe parce que ça fait un petit moment que j'ai pu faire ce genre de vidéo. Eh bien vous pouvez me créer des maps, donc des maps, alors je vais en reparler à la fin de la vidéo, mais en gros vous pouvez me créer des maps ou me proposer des maps sur mon site mcolo.fr dans l'onglet vos maps. Et donc on commence tout de suite par une map créée par Xenox qui s'appelle Extreme Land et qui est en version 1.8, et vous l'aurez compris, je pense que ça se voit. Il va s'agir d'un parc d'attractions, donc soi-disant plutôt cool, paye ta modestie, non bien sûr je rigole. Donc je vais lire ce qu'il m'a écrit, donc c'est un parc d'attractions plutôt cool en 1.8, il est peut-être moins bien que Minemios mais il est cool quand même, ne change pas de game mode et prends le ressource pack avec, donc j'ai le ressource pack... Extreme Land qui est fourni avec, bien évidemment. Je rappelle juste le principe, c'est que à la fin je fasse des critiques sur la map, donc des critiques positives, négatives et constructives. Voilà, je tiens juste à le rappeler parce qu'il y en a qui disent oui tu critiques trop les maps. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Donc c'est parti. Bonjour et bienvenue sur Extreme Land, map by Mascotech, alias Xenox du coup en fait. C'est-à-dire que c'est la même personne, Mascotech et Xenox, donc j'ai un petit peu du mal à comprendre. Donc déjà on a un or, un point, très bien. Alors du coup je viens de remarquer aussi que le ressource pack c'est la base du Cotricraft. Et ça, ça fait très plaisir. Voilà, ça fait très plaisir, c'est un ressource pack que j'ai beaucoup aimé. Extreme Land RP. Ouais, donc ça c'est ressource pack. Ok, donc qu'est-ce que nous avons? Bien évidemment je suis là pour essayer de regarder le réalisme. C'est écrit quoi? Tête du fondateur. Ah, on voit la tête du fondateur, ok. Bienvenue à Extreme Land. On a des petits feux d'artifice là, attends. Ah, c'est joli. C'est joli, c'est sympathique, ok. Alors ici, j'ai pas vu le panneau, s'il vous plaît. Désolé si le monde flat est mal caché. Ah oui, parce que bah, ça se voit que c'est un monde flat. Ouais, ouais. C'est pas très grave pour le moment. Jeb, la mascotte du parc. Ah, bien évidemment. Bien évidemment. Poubelle, ok. Donc on a, je sais pas, un point, j'ai pas trop compris. Photo. D'accord. Y a ça dans des parcs d'attractions? Staff. Accès privé. Ah merde, j'ai pas le droit d'y aller, excusez-moi. Hein. Excusez-moi, je fais demi-tour. Hein. Ok, on a une petite fontaine. Tu dois trouver 10 points avant la sortie du parc. Ah ouais, donc c'est un parc d'attractions un peu challenge, quoi. C'est, je suppose qu'il y en a un qui doit être caché dans la fontaine. Voilà, forcément. C'était tellement évident. On peut pas les stacker. Ok. Ah oui, parce qu'il y en a un avec un S et l'autre sans S. Va falloir faire attention. Ok, donc là, on a des petits trucs. Donc on va un petit peu essayer de bien découvrir. Lis-moi. Et on a un autre point. Ok. Comme je sais que tu regardes dans les coffres, j'écris ce livre pour que tu le lises et que tu te rends compte que fouiller dans les coffres, c'est inutile. Mais ce qui est vraiment inutile, c'est de lire ce livre. Alors, il dit que fouiller les coffres, c'est inutile, mais on trouve quand même les lingots d'or. Donc, poteau, j'ai du mal à comprendre. Hein. Quoi? Attends. Titus PVP? Titus PVP? Donc, le mec a... Alors, on peut l'appeler Xenox, Titus... Enfin, Titus et Mascotech. J'ai un petit peu du mal, hein, monsieur. Donc, je vais t'appeler... Je vais t'appeler l'auteur de la map. Ok, donc déjà là c'est plutôt pas mal. Ah oui, alors j'ai mis un nouveau shader qui est très très beau. Très très beau, un petit peu trop puissant pour moi je pense. C'est le, je vais vite fait vous le montrer. Voilà, le SEUS V11. Voilà, bien évidemment. Bien évidemment. Et Azul, ok. Sorti, mais il n'y a pas d'entrée. J'aimerais bien déjà commencer une attraction, mesdames et messieurs. Restaurant. D'accord. Bonjour le restaurant. Il y a beaucoup de... Enfin, il n'y a pas beaucoup de tables. C'est-à-dire que c'est... Il n'y a pas d'entrée non plus. Ah si, bah si, c'est le... Ouais, j'ai du mal à comprendre. Ouais, là, c'est pour le staff et là, on commande. Ouais, j'ai compris. Excusez-moi, hein, j'ai cru que... Ouais, je me suis cru dans un vrai resto, quoi. Bonjour, c'est encore Jeb. Ah, mais il y a des Jeb partout. Ouais, d'accord, j'ai compris. Carousel, c'est parti. On y va, on va faire le carousel. On commence par le meilleur. Bien évidemment. Alors ça, mon gars, c'est plutôt réaliste, hein, c'est-à-dire les barrières plutôt chiantes à chaque fois... À contourner. Voilà. Ok, ouais, donc le carrousel. Ouais, bon, le carrousel, on va pas s'amuser à le faire. Hein, étant donné qu'il y a déjà des minecarts qui sont. Ça, c'est dommage. Il y a déjà des minecarts qui sont mis. Donc, du coup, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. On va pas le faire. On va ressortir. Je vais passer par là. Comme ça va aller beaucoup plus vite. Excusez-moi. Hein, je sais que ça se fait pas. Mais c'est pas grave. Je peux passer. Oh non, je suis bloqué. MDR, je suis bloqué. Oh, je savais que j'aurais pas dû faire ça.
Oh, je savais que c'était débile. Ah là, c'est bon, je peux passer par là. Excusez-moi, je fais n'importe quoi. Hein. Donc là, c'est quoi? Sortie. Merde, excusez-moi, je suis sur un... Ah voilà, l'entrée, elle est là. Excusez-moi. C'est quoi comme, comme attraction, ça? C'est... Ah, c'est joli, les vitres. Mais c'est vachement joli, on voit les reflets et tout. Bon, je découvre un shader en même temps, excusez-moi. Hein. Du coup, c'est quoi comme attraction, ça? Les montagnes russes. Ah, oh, bah oui, bah je suis con. On voit très bien. Ok, donc la pluie, plutôt sympathique. On va quand même se permettre un petit viseur clair. Hein. On va se calmer. C'est pas un reflet, en fait, c'est ce qu'on voit à travers. Je suis un peu bête. Je suis très très bête. Allez, c'est parti. Donc ça, c'est les montagnes russes. Donc du coup, on va se mettre là. Et il y a un bouton là. Donc c'est parti, première attraction. Et on va voir comment ça va se passer. Il y a des poules, hein. Ça c'est un petit peu chiant. Il y a des poulets. Ok, donc déjà niveau montée, la montée est pas mal. Déjà premièrement, ça c'est cool. Les montées comme ça, alors c'est malheureusement Minecraft, on peut pas être plus lent, hein. Mais c'est pas une montée trop rapide. Parce qu'en vrai, bah, les montées rapides ça existe pas. Enfin au début en tout cas ça marche pas. Allez c'est parti, tout le monde les mains en l'air les gars. Allez, wouhou. Nickel. Allez, bon c'est dommage les leviers qu'on voit. Allez. Ça c'est pas mal. Ouais, à tous les coups ça va être trop rapide. Ça va être déjà la fin. Oula, attention. Ok, ok, petit jump. Ok, ok. Bon, c'est dommage que ce soit bon, que ce soit déjà fini. Mais excusez-moi. Au niveau des barrières, comme d'habitude, c'est cool, c'est des trucs chiants à faire. Alors après, je sais pas s'il a fait avec un logiciel ou pas. Mais dans tous les cas, c'est plutôt cool. Ça n'a pas marché ton système-ci? Ça m'a éjecté ou pas? Il me semble que ça m'a éjecté, si je dis pas de bêtises. Donc ça a marché le système, normalement. Ouais, normalement, ça m'a éjecté. Ok, nickel. Nickel, nickel, on commence bien. On commence bien, les amis. Qu'est-ce que nous avons ici? Ah ouais, donc déjà, je suis déjà perdu. Parce que là, voilà, il y a encore des trucs, là. Poubelle, ouais, ok, attends, on va déjà aller voir là. On va essayer de rien louper, hein, parce que Minemios, j'ai loupé quand même pas mal de choses, hein. Je vous invite à aller regarder la vidéo si vous ne l'aviez jamais vu, mais bon, je pense que ça m'étonnerait. Minemios, c'est une de mes meilleures vidéos sur la chaîne, enfin, dans le sens qu'elle était beaucoup vue. Il n'y a pas de nom à cette attraction. Very funny, McGregor. Vas-y, on va essayer. Ah ouais. Ah, il y a de l'idée. Oh, attention, il y a de l'idée. Les belles fontaines, et c'est joli, hein. Enfin, c'est joli, c'est pas compliqué, c'est joli quand même. C'est pas mal. Ouais, la montée était pas... Là, la montée, là, était très réaliste, hein, selon moi. Ouais, je sais qu'on est sur Minecraft, mais je cherche quand même le côté réaliste du jeu. Et même si des fois, on m'insulte parce qu'on me dit Minecraft, c'est pas réaliste, il y a quand même des trucs qu'on peut faire très sympathiques. Et là, en l'occurrence, la montée, là, qui était juste à la fin, la chute, un peu compliquée, genre, bah, c'était très réaliste, selon moi. Bon, c'est bizarre, il n'y a pas de nom à cette attraction, il n'y a pas de d'entrée, enfin, il n'y a pas de panneau, il n'y a pas de sortie, j'ai un peu du mal à comprendre, parce que la sortie, elle est bizarre. Ah, la sortie, elle était peut-être là aussi, je sais pas, attends, je vais voir. Attends, parce que là, il y a un panneau. Sortie. Ah oui, d'accord, bah, la sortie était là, excusez-moi. Excuse me. Ici non plus, il n'y a pas de... Attends, là, il y a un panneau, excusez-moi, là, je l'ai pas vu. Le château de Jeb. Ah bah oui, Jeb, c'est la mascotte. Bien évidemment. Le nom s'appelle quoi? Extreme Land, ouais. Ça aurait pu s'appeler Jebland. Mais non, c'est Extreme Land. Donc attention, ça va être extrême. Ok, bonjour. Alors, est-ce que je laisse les shaders? À la limite, si c'est pas très long. Ok, un nouveau point. À la limite, si c'est pas très long, on pourra toujours le refaire sans shader si jamais. Après, les shaders, ça rajoute un petit côté sympathique. Bon, je vais quand même l'enlever. Je vais quand même l'enlever pour vous faire plaisir parce que j'ai pas envie d'avoir toute la communauté sur le dos. Parce qu'à chaque fois, on me dit oui, on voit rien avec le shader. Donc, pas de soucis. Voilà. Allez, c'est parti. On y va. Waouh. Pas mal les animations du ressource pack. Ok. Waouh. Ah. C'est une sorte de... Ouais, c'est une sorte de bateau pirate version... Version un peu copiée de comment ça s'appelle? Funland? Non, je sais plus comment ça s'appelle. Amazing Land. Voilà, ça s'appelle Amazing Land. Ok. Oula. Oula, oula. Où c'est... Ouais, ok. Alors ça, les gars... Sorti. Ah oui, d'accord. C'est la fin, d'accord. Si ça m'arrive dans un parc d'attractions, me faire attaquer comme ça, je pense que direct je porte plainte. Hein. On va pas se mentir, je porte plainte direct. Ah non, donc ça c'est la sortie de cette attraction là. Donc en fait, cette attraction là, excusez-moi, j'ai cassé une plante. Je sais pas du tout ce que c'est. Je pense que ça c'est pas fait exprès. Ouais, je pense que c'est pas fait exprès. Là, les montagnes russes, on vient de là. Là, le château de Jeb, c'est ce qu'on vient de faire. Ok, donc c'est parti, on va y aller avec le soleil dans la gueule. On va se permettre un petit time set day. Voilà, comme ça, on voit très très bien.
The Duckman by Gustave Eiffel. Attends. Ah oui, donc c'est un canard. Excusez-moi, c'est un canard. Bah c'est l'homme canard, Duckman. J'ai pas. Mais c'est une blague. Enfin, c'est humoristique ou c'est vrai? Parce que bon, les gars, je sais que j'ai pas une culture très très développée, mais Gustave Eiffel, il a fait la Tour Eiffel. Hein, merci, hein, c'est pas la peine de me l'apprendre en commentaire, mais est-ce que ça existe vraiment? Je vais checker. Hein, j'ai deux écrans, donc attendez. Gustave Eiffel, Duckman. Ouais, à mon avis, c'est pas vrai. Hein. Ah oui, ça existe pas. On est d'accord. Ok, donc on peut rigoler. Voilà, c'est une blague. Donc c'est humoristique. Bravo, hein, c'est très rigolo en tout cas. Bon, bref, nickel. Ok. Ouais, parce que si jamais ça existait pour de vrai, et que moi j'aurais dit ah c'est rigolo. Voilà, ça aurait pas trop plu. J'ai l'impression que le parc n'est pas... Ah oui, il y a encore des trucs là-bas, nickel. C'est quoi de... Sortie, ok. C'est parti, on va y aller. Entrons dans les ténèbres. Ah bah, on ressort des ténèbres. Ok, bonjour. Ok, ah, petite attraction bleue au calme. Allez, c'est parti. Ok. Donc là, les montées, plutôt bien réussies. Hein. Franchement, les montées, il les a très très bien réalisées, par contre. On va pas se mentir, attention. Yes, là la montée, attention, la chute, attention. Voilà, ça nous reprend, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Genre on se fait un petit peu abandonner et puis d'un seul coup après ça nous repousse. Oula, oula. On va se calmer direct. Ok. Ouais, c'est sympathique. Ça c'est un petit peu chiant les leviers qu'on voit, mais j'en reparlerai en fin de vidéo si j'oublie pas. Nickel, bah c'est sympathique aussi. C'est sympathique aussi. C'est sympathique aussi, mais alors voilà, par exemple, là, le problème, c'est que là, voilà, il y a... Bon, alors, évidemment, je suis pas là pour dire, ouais, faut faire du décor, etc., mais là, il n'y a plus rien, là, il n'y a rien. Alors que Minemios, et je compare tout le temps à Minemios, hein, je suis désolé, mais c'est juste que, selon moi, Minemios, pour le moment, c'est le meilleur parc d'attractions Minecraft. Voilà, il manque... Enfin, Minemios, c'est toujours rempli, quoi, c'est pas surchargé, mais il y a toujours quelque chose. Et ça rend réaliste. Le grand V. Ah. Le grand V, pourquoi ça s'appelle le grand V? Parce que un grand V, c'est... C'est pas ça? Attends, on va aller voir, hein, bien évidemment. En tout cas, bravo pour cette map, hein, parce que Dieu sait, même si je crois pas en Dieu, combien de temps ça prend de faire ça. Hein. Et ça, je le respecte très parfaitement. Ok, c'est parti. Ah, on va se faire bloquer, bonjour. Oui. Ah, voilà. Ah. Ah, voilà. Ah, bah oui. Bah, c'est original comme concept, mais... Mais pour moi, ça manque de sensation. Il y a une sensation qui a... Enfin, je sais pas. Je n'ai eu aucune sensation là-dedans. Mais après, le grand V... Attends, mais c'est quoi le grand V? C'est pas ça, le grand V? Le grand V, ça va... Ah non, c'est le grand 8. Bon, je sais plus. Ça fait longtemps que je suis plus allé dans un parc d'attractions, les gars. J'ai perdu toute la notion de... Mais bon, sinon, c'est sympathique. C'est sympathique, c'est original comme concept. Bateau pirate. Ah, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. C'est peut-être décoratif, hein. Et attention. Bonjour. C'est pas... Ah oui, d'accord. Bon, on va pas le faire, hein, on a compris le... C'est pas con non plus, hein, c'est pas con non plus, il a refait le bateau pirate. Alors, par exemple, là, selon moi, après, je sais pas si ça dépend les parcs d'attractions, peut-être, je ne sais pas, j'ai pas fait tous les parcs d'attractions qui existent dans le monde. Peut-être que ça existe comme ça. Mais pour moi, les bateaux pirates, ça a ce côté-là, mais ça a aussi un autre côté. Pour que en fait ce soit pareil des deux côtés, parce que sinon, ce serait plutôt con d'être genre installé là et d'avoir rien derrière. Enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre, quand t'es là au bout sur un siège, bon bah voilà, t'as compris. Mais en face, faudrait que ce soit pareil. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense. Après, je sais pas, peut-être que ça existe des trucs comme ça, et puis tant mieux. Hein. Après, un autre petit truc aussi que je peux reprocher, bien évidemment, c'est que là, regardez ce trajet là. Le trajet qu'on fait pour aller au bateau pirate est beaucoup trop long, et c'est tellement pas possible dans un parc d'attractions. C'est ce qui explique le fait que c'est trop vide. C'est-à-dire que si ça aurait été beaucoup plus serré. On aurait peut-être eu un peu plus de mal, c'est-à-dire que là, on a un petit peu, c'est un peu facile de différencier les attractions. Minemios, j'avais du mal, hein, parce que c'était pas serré, mais il y avait plein d'attractions qui étaient très proches. Mais en fait, un parc d'attractions, c'est comme ça, en fait, la plupart du temps. Il n'y a pas un long chemin comme ça. Bon, après, ça va dépendre du truc. Ça, c'est peut-être possible avec la file d'attente et tout, je ne sais pas. Après, ça va vraiment dépendre des parcs d'attractions et voilà, tout simplement. Mais après, bon, voilà. Le crapulot. Ah, les... Hey. Le crapulot, je sais pas ce que ça veut dire, mais ça ressemble bien aux petites crapules. Voilà, moi je passe au-dessus des barrières, je m'en fous. Là, on voit pas grand-chose. Je vais directement enlever le shader. Là, je suis d'accord avec vous, les abonnés. Il s'est enlevé très rapidement, le shader. Ok, c'est parti. Le crapulot. Ah, j'adore la montée, putain. Génial. Allez, on redescend. Ça ressemble un peu au grand V, hein, attention. Ah, là, il y a un peu plus de sensation. Ok. Ah. Oula. Pas très, très sympathique.
C'est pas très très gentil. Je sais pas si ce genre de d'attraction existe existe en vrai ou non. Mais je trouve ça un petit peu dommage parce que c'est un peu répétitif. Ça ressemble beaucoup au Grand V. Bon, il y a plus de sensations que le Grand V qu'il a fait là-bas. Mais voilà, attendez, là il y a encore quelque chose. Hein. Over splash, les bûches. Oh, c'est parti les bûches. Alors les gars, si vous faites des parcs d'attractions que vous voulez me proposer, vous êtes obligés de passer par ça. Les bûches, c'est une de mes attractions préférées, les gars. Quand il fait chaud, les gars. Oh là là. Oh, énorme. Énorme. Bon, il n'y a pas vraiment ça, il me semble, dans les montées, mais... Ah, nickel. Nickel. Et là, c'est méga long. Nickel. Bon, c'est un petit peu trop rapide encore pour des bûches, mais... Non, ça va. Non, non, c'est nickel. Et là, la petite descente qui éclabousse. T'as tout le monde qui attend sur les côtés. Oh, nickel. Oh, GG. Rien que pour ça. Rien que pour... Et je la refais, je la refais, je la refais. Je m'en bats les steaks. Je la refais, je m'en bats les steaks. Vous avez vu les particules? Oh là là. Oh, même Lee Kun qui a fait Minemios, il avait pas pensé à ça. Mais là, ça c'est du génie. Ça c'est du génie. Ça c'est du gros 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 génie. Je pense que plein de gens vont faire la même chose du coup, mais... Allez, putain, c'est génial. Attention, splash! Oh, c'est génial. Oh, c'est super bien fait. Bravo, bravo, bravo. Là vraiment, félicitations. C'est pas difficile, je pense. Enfin, non, c'est pas difficile. C'est un peu chiant quand même à faire la commande slash effect, je sais plus quoi, mais... Mais c'est super bien fait, ça c'est super bien fait. Et ça, ça mérite quand même du mérite, voilà. La peur d'Emcolo, train fantôme. Allez, bien, allez, c'est parti, non. On enlève le shader. Même si avec le shader, on aurait peut-être un peu plus les boules. Mais après, on verrait pas grand chose. Surtout pour la vidéo, c'est parti. Ok. C'est parti. Bonjour. Ah merde. Ah, je crois qu'il y a un problème. Je vais vous expliquer, hein. Ouais, ouais, il y a un problème. Je vais vous montrer c'est quoi le problème. Je ferme les yeux. J'évite de regarder un maximum. Parce que là, il n'y a rien qui me fait peur. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vous jure, je ferme les yeux là. Hein, véridique. Je bouge la souris. Je vois les rails. Mais je ferme un peu les yeux. Voilà, il y a des bruits et tout. Donc là, je me mets un peu dans l'ambiance. Je vais vous expliquer c'est quoi le problème. De toute façon, je pense que vous le voyez déjà. C'est la luminosité. Je vais vous montrer un truc. Voilà. C'est quoi de ça? Ah! Oula, 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 oula. J'ai rouvert les yeux parce que... What the fuck? C'est quoi de ça? C'est quoi de ça? Je comprends plus rien. Ah, ok. Alors attends, j'ai déjà fait un petit viseur clair. Donc le problème, c'est ma luminosité, je ne sais pas pourquoi. Mais en gros, elle est à 900. Voilà, là il fait sombre. Allez, on la refait. Et là maintenant, j'ouvre grand les yeux. Et là, c'est parti. On va voir si on va avoir peur. Désolé si vous voyez pas grand chose hein, sur mobile. Mais bon, vous avez pu voir avant avec les lumières à fond, donc là c'est parti, on est dans l'ambiance. Donc là je sais déjà qui... Voilà, là c'est un petit peu plus... un peu plus glauque. Ah ouais, ça c'est bien fait ça. Bonjour. Ah là là, c'est génial. Ça déjà, ça c'est super bien fait. Les sortes de... Ah ouais, bon ça c'est pas ouf non plus. Ça me fait pas vraiment peur, hein, je vous rassure, mais... C'est... Ah ouais, il y a quand même une belle petite ambiance qui s'installe quand même. On va pas se mentir. Une petite ambiance sympathique là. Ok. Ok, ok. Donc là, voilà, là la porte. Ah là là. Ah, les feuillages, ça me fait flipper ça aussi. Ah là là. Aïe. Le petit tonnerre. Ok. Ah, je sais pas si c'est normal ça. Je sais pas si c'était normal ça, le trou. Bon bah, c'est fini. Je sais pas si c'était normal pour le coup, le trou où on voyait dehors. Je pense pas que c'était fait exprès. Je sais pas. Attends, je vais juste hop, mettre ça là. Ok, bon, on va ressortir de là du coup. Et on va pouvoir remettre le shader. Ouais, du coup j'avais ma luminosité trop forte. Je sais plus pourquoi. J'avais fait ça une fois, c'était pour mieux voir forcément. Je sais plus pourquoi. C'était peut-être pour m'adventure, je ne sais plus. Ok, ensuite le bouquet final. Alors ça tu vois, ça c'est bien. Mais c'est quand même un petit défaut que je peux dire. C'est que ce parc d'attractions, c'est comme s'il y avait un ordre. Enfin, c'est comme, il y a un ordre en fait à faire. Genre, c'est un peu dommage. Allez, c'est parti, on y va, le bouquet final. Le bouquet final, par contre ça c'est quoi ça? Ah, ça doit être le train fantôme ça, non? Bon, on va regarder ça après, de toute façon après on va se mettre en créatif. C'est parti pour le bouquet final. Oh ouais, oh ça c'est l'attraction badass. Ouais, ça c'est l'attraction badass. Ça c'est... Là, y a pas à se mentir. Mais vous voyez, le parc, il est un petit peu vide. C'est un peu triste. Ça, c'est vraiment un peu triste, ouais.
On va, bon, allez, c'est parti. Ah là là, ça c'est bien. En plus, il y a les piliers. Donc ça rend un peu plus réaliste, du coup, même si ça tient quand même relativement pas très gravitationnellement. Mais bon, c'est déjà bien. Ok, donc là on a une petite hauteur, le bouquet final. Attention à la descente qui va être, je pense, très 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 épique. Allez, nickel. Là on est pas mal. On est pas mal. Ouais, petite descente sympathique. Ah oui, ça c'était pour le grand V, je sais plus quoi là. Là le machin là, qu'on voit là. Ok. Ah bah malheureusement c'est déjà la fin. Ça c'est... Ouais, c'est un petit truc dommage également. Alors que dans Minemius par exemple, les attractions étaient un poil plus longues. Franchement. Même y avait même le temps d'afficher, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et c'est vrai qu'on atteignait des records quand même. Et bah ma foi, c'était sympathique. Et puis là voilà, on arrive à la fin. Mets tes points dans le coffre. Merci à Lee Kun pour ses idées. Et surtout merci à World Edit. Ah merde. Ah c'est décevant. Voilà. Bah malheureusement on n'a pas eu les 10. On les a pas trouvés. Bon alors voilà, on va passer aux critiques positives, négatives et constructives. Bien évidemment on est là pour ça. Alors là comme tu viens de le dire hein, tu t'es pas, au moins t'es honnête. T'es honnête, merci à MC, à World Edit pardon. C'est pas MC Edit, c'est pas pareil. World Edit c'est avec la H en bois je crois. C'est sympathique, mais utiliser ce genre de truc tout le temps c'est un peu casse-couille. Alors pour les murs là à la limite j'ai compris. Pour les piliers voilà, bon. Et surtout pour les montagnes russes. Je pense qu'il a également utilisé ça pour ça. D'ailleurs, il a écrit fin en bois. C'est ma foi fort sympathique. Mais voilà, c'est un petit peu pas dommage, mais ça change un petit peu la donne. Encore, tu l'aurais pas dit, ça aurait été sympathique. Donc voilà, Lee Kun, bien évidemment, qui a fait Minemios. Par contre, au niveau de ça, là, on va pas se mentir, c'était très 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 cool. Après moi dans les parcs d'attractions que j'ai fait, quand il y a des montées en général il n'y a pas d'eau. Après il se peut qu'il y en ait. Ce qui serait bien sur Minecraft c'est qu'on fasse ce système là, mais que ça puisse être un cran dans l'eau. Genre que ça en gros, maintenant je vais saccager la map, ça puisse être là. Mais évidemment ça peut pas hein, ça se casse à l'eau. Parce que en soi en fait les bûches ça se passe comme ça hein. Les rails elles sont là en fait hein, globalement hein, avec le bateau dessus hein. Enfin le bateau là, la bûche dessus hein, qui c'est pas l'eau qui transporte vraiment. Un petit peu mais pas vraiment, c'est surtout qu'elle est emmenée par des rails hein. Moi j'ai déjà mis ma main pour vérifier, ça fait pas très très du bien. Donc voilà, par contre, donc ouais ce serait sympathique, mais ça c'est de la faute de personne, c'est de la faute de, enfin voilà, Minecraft n'a pas eu cette idée là. Par contre là du coup ouais, la descente elle est pas mal, elle est pas trop haute, donc du coup c'est plus crédible. Et là, les effets mon gars, c'était sympathique. Alors c'est chiant à chaque fois parce qu'on peut se douter de ce qui peut se passer à cause des rails détecteurs. Mais ça encore une fois c'est de la faute de personne, ça c'est évident. Donc là, il a fait comment? Parce qu'il y a des... Il y a des commandes blocs. Ah, il se passe quoi là? Ah merde, je tombe dans le vide. Ah oui, d'accord, je suis tombé dans le vide. Donc là, on est sous la map, hein, si jamais vous voyez pas trop, j'avais pas compris. Ouais, on était sous la map, ok. Parce que c'est une map genre de... Ouais, ok. Donc les commandes blocs... voilà, splash, particule. C'était pas effect, c'était particule, voilà. Donc ça, c'est sympathique. Au niveau des attractions, oula j'ai du mal à parler, excusez-moi. Donc ouais, un petit peu trop courte malheureusement, un peu répétitif juste pour le grand V et le truc là auquel je suis dessus. Ça c'est un petit peu répétitif, c'est pas grave. Le bateau pirate, c'est pas mal. Un peu vide, enfin c'est pas mal, voilà vous m'avez compris. Un petit peu vide, un petit peu trop grand pour peu d'attractions, enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, ça c'est peut-être un petit peu les seuls petits points négatifs. Par contre, on voit quand même qu'il a pris il a pris du temps pour faire ça et bien évidemment, je le respecte. Encore une fois, c'est pas parce que je dis quelque chose d'une map, c'est pas parce que d'ailleurs je dis pas qu'elle est nulle hein, bien évidemment, mais je respecte entièrement le travail des gars quoi. C'est faut arrêter de ne pensez pas que je pense autre chose. Voilà, ne déformez pas mes propos les gars. C'est juste génial. Alors oui, alors attends, c'est quoi ça? Ouais, ben je suis sûr il a mis un coffre là le petit bagnard là. Il a mis un coffre, genre il a fait une sorte de petit jump discret, genre je sais pas, il y avait 10 trucs en or à trouver. On en a trouvé 4. Bon, c'est pas très très important. Il y a peut-être une vitre cassée avec un coffre derrière, hein, je sais pas. Bon, ma foi, c'est quoi comme vitre ça d'ailleurs? C'est de là. Ouais, brown, ok. Et bah ma foi, c'était sympathique. Ah oui, aussi un truc, ici, les arbres en jungle, c'était sympa. Parce que quand on est à l'entrée, alors d'ailleurs, regardez, ça c'est le parking. Donc c'est sympathique. Quand on est là, encore tu peux dire ça peut être sympa quand tu vois les arbres, mais t'aurais dû en mettre encore ailleurs parce que du coup t'en as mis au début, mais t'en as pas mis là, t'en as pas mis. Voilà, dès que t'avais remarqué que t'avais plus rien à faire, t'aurais peut-être dû en replanter sans que ce soit trop non plus.
mais ça aurait enlevé un petit peu du blanc. Parce que là, vous voyez, on peut pas dire que c'est surchargé. Donc là, c'est sympathique. Là, c'est un petit peu dommage que ce soit trop plat. Il aurait peut-être pu faire du relief. Ouais, je sais, je cherche la petite bête, mais c'est juste pour vous dire, en fait, hein, globalement. Parce que sinon, c'est super bien fait. Donc, on va pas s'étaler. Comme d'habitude, je mets pas de note au map, parce que c'est pas trop mon kiff. Vous pouvez mettre une note en commentaire, si vous le voulez, bien évidemment. En tout cas, bravo à l'auteur, donc qui a 3 pseudos, donc j'ai un petit peu du mal à comprendre. Donc, pour proposer une map. Alors, comment ça se passe? J'explique ça vite fait pour terminer. Sur mon site mcolo.fr, dans l'onglet vos maps, eh bien, vous pouvez proposer vos maps. Donc, soit vous avez créé une map pour le grand public, vous la proposez là. Soit vous m'avez créé une map personnellement pour moi. Alors, je vais souligner un petit truc là-dessus, parce que ça me manque un petit peu ce genre de map. Pas le fait que vous m'en créiez pas. En fait, il y en a beaucoup qui me créent des maps. Mais en fait, le truc qui manque, c'est les petits clins d'œil, les petits easter eggs. Alors, je sais que c'est pas super facile à faire et que il y a beaucoup de clins d'œil qui ont déjà été faits et que vous n'avez pas forcément envie de copier d'autres clins d'œil qui ont été faits. Mais il y a des petits trucs sympathiques à faire, je pense, des trucs rigolos. Parce que vous voyez, par exemple, les premières maps que j'avais testées où il y avait des clins d'œil et tout, genre des clins d'œil avec Toonfu, Titou, la série Diversity, des petites phrases cultes que je disais, pareil pour Ladybird, etc. C'était vraiment quelque chose de très sympathique. Et je vous avoue que ça me plairait bien d'en revoir. Donc si vous voulez me créer une map, eh bien n'hésitez pas à bombarder de clins d'œil. Alors évidemment des petits clins d'œil subtils, hein, des easter eggs subtils, hein, pas ne bombardez pas, ne mettez pas genre dans un coffre et dans un livre une phrase que j'ai dite. C'est pas non plus un truc de ouf. Ouais, il y a toujours des moyens de faire des clins d'œil et voilà, j'avais fait des découvertes de map très sympathiques. Donc voilà, vous pouvez aussi me proposer une map de quelqu'un d'autre, par exemple, si vous connaissez une map sympathique que vous voulez que je teste. Donc voilà, au niveau des règles, il faut juste pas que ça dépasse 40 minutes, et puis sinon les autres règles sont sur le site, donc je vous invite à aller checker. Et bien voilà, bravo pour cette map, merci pour cette map, et rendez-vous pour d'autres découvertes. C'était Mcolo, n'oubliez pas le petit pouce bleu pour m'encourager. Rendez-vous pour de prochaines vidéos, c'était Mcolo, ciao tout le monde!